Mais que je me tape une pub de merde. Ah, c'est con, vous l'avez raté, j'espère que vous l'avez entendu. J'avais une publicité pour Phone Color Screen, Flash Screen Theme. Donc quand on t'appelle, t'as des lumières incroyables, je vais vous le montrer. Et c'était sur la musique d'Espacito. Donc on était quand même sur un... des bons bails. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le fond qui l'a emporté. Je vous avais posé la question précédemment cette semaine pour savoir si vous préférez pour les vidéos avoir le fond vert avec le green screen ou sinon avoir le fond avec le petit cercle et tout. Et vous avez été putain de nombreux à dire bah non, nous on préfère en fait avec ton fond qui est là. Et ça m'a étonné parce que j'étais persuadée que vous préfériez avec le green screen. En fait, non, vous préférez le green screen pour les streams, ça fait plus pro, mais vous trouvez que c'est quand même plus cool. Comme ambiance d'avoir le petit rond tout simplement, ça fait plus intime, tu vois, on joue un peu, on est posé alors que l'autre ça fait trop pro et du coup ça vous plaît pas tant que ça. Donc du coup on va être comme ça, comme tu l'as vu dans le titre mon petit Michel, il est l'heure de parler de quelque chose d'important. Est-ce que la Terre ne part pas un peu en couille? Au niveau des applications du moins, parce que la Terre qui part en couille ça oui, mais les applications. J'étais tout à l'heure tranquillement en train de me balader sur le top des applications, jusque là tu me diras, tout va bien. Je me baladais tranquillement et je regardais un petit peu le top des applications, tu vois. Et là, je suis tombée sur une application et je me suis dit, putain, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Cette application s'appelle, attention, Toilet Time. Ah oui, 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 Michel, je sais ce que t'es en train de te dire. T'es en train de te dire, c'est quoi ces conneries? C'est marrant parce que je me suis dit exactement la même chose, mon petit Michel. Et apparemment, ce jeu serait fait pour les gens qui sont aux toilettes et qui ne quittent visiblement pas leur smartphone du tout. Hein. Donc du coup, on va tester ça ensemble, on va regarder de bah, quel jeu qu'il y a apparemment. Je pense qu'on doit dérouler du PQ ou ce genre de choses. On va lancer maintenant, on va même pas attendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Next, goal, remove, machin... Start. Bon, on va la commencer, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, d'accord, ok. Ok, ok, fail. Oh putain, mais attendez, on a des vies, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, j'essaye de comprendre. Ah! Bah, c'était facile. Mais quoi? Ah, c'est bon. Il est bien, là. Ok. Je n'arrive pas trop à comprendre. Lave. Voilà. En fait, c'est des mini-jeux, quoi. C'est que du mini-jeu. Ouais. On a réussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a d'autres niveaux ou pas? On commence à être les pros des cabinets, j'ai envie de te dire, Michel. Hein. Ok. On déroule, on déroule. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il y a vraiment des gens qui jouent à ça dans les toilettes, sans déconner. Et c'est toujours la même chose ou quoi? Comment ça se passe? Ah non, merde! Ok, squish, non, il fallait que j'écrase. Squish, c'est pour écraser. Game over. Qu'est-ce que... Oh là là, on a débloqué quelque chose. On a débloqué un mini-jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Est-ce qu'on partirait pas par la suite carrément sur un... Attendez, Blast Clash. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut déboucher. Non mais... Eh oh! C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que je fais avec ma brosse à chiottes? Ah oui, c'est clair, c'est connu, hein. On débloque beaucoup d'hamburgers hein, quand t'es avec la brosse à chiottes. Hein. Enfin, quand t'es avec la ventouse, pardon. Hein. Mais c'est bien beau, mais j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, musée? The Zandari door is locked. If in every item in the gold toilet, turn the kit. C'est quoi ces conneries? Ah, j'ai une clé. Je l'utilise. Oh, mais c'est quoi ces conneries? Ah, mais ça sert à rien du tout. C'est purement esthétique. Non, mais attendez. Non, attends. Va falloir qu'on ait une discussion, là, sans déconner. Ne me dites pas que ce jeu est vraiment top. On va rejouer, hein.
Oh non, ça craint. Oh non, putain. Mais ne me dites pas que ce type de jeu, ça fait partie des top jeux sur mobile. Je sais pas comment les mecs font, je veux bien qu'on se fasse chier aux toilettes, mais là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. En plus, c'est ennuyant comme jeu, je trouve. Attention, le monsieur a froid. Il est bien là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez, on continue, on avance. On va peut-être débloquer quelque chose et peut-être qu'après je vais comprendre ce qui se passe. Ah! Puis c'est quoi le mec, ce qu'il avait de la... sur les mains? C'est dégueulasse. Alors, homme, homme, femme, femme. Voilà, ça dégage. Ça va? Mais j'arrive pas à comprendre comment ce type de jeu finit en top... Ah bah tu m'étonnes, je comprends mieux la matière qu'il avait sur les doigts, le mec. Je vais aller checker un autre jeu qui est dans le top des jeux. Pourquoi pas un jeu d'horreur? Parce que je ne peux pas. Je me suis dit, c'est pas... il doit y avoir quelque chose, ce jeu doit être pas mal. Pas mal. Tout est relatif, hein, j'ai envie de te dire, Michel. Hein. Bah vous savez quoi, j'hésitais à réaliser une vidéo sur Jurassic World Evolution, hein, quand même, qui était pas mal. Ou ça, et j'ai quand même choisi ça. Donc je pense que cette semaine, il y aura quand même... Ah! Ah ouais, faut poser sa prune pile au bon moment. Bon, écoutez les copains, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce jeu. On va arrêter le massacre. Donc du coup les copains, j'ai regardé dans les jeux les plus téléchargés et j'ai vu Chair de Poule, ce qui est hyper vieux. Je sais pas si vous connaissez les Chairs de Poule. Et du coup bah je vais regarder ça. Je vais tester ça. Alors apparemment il y a un mode VR. Je n'ai pas le casque VR. Oula, est-ce que ça sent pas le screamer, putain? Ouais, ça sent, si ça sent le screamer de ouf. On va faire le prologue. Ça pue comme pas possible. Est-ce qu'il faut que je le touche? Ah, ok. Nice. Regarde l'empreinte de pas pour te déplacer. Hey, trouve la machine à écrire. Quick, there's not much time. Psst. Come a little closer, said the Smith Corona typewriter to the stranger. Et là, la machine à écrire. Hey, I'm a magic typewriter. I'll grant any wish you want. Lied, but I'm R.L. Stein. Okay. I mean, I'm a writer. Darn it. I'm a type whiner. I mean, I'm a Stein. Just R.L. Stein. A writer. I wrote Goosebumps, you know. Over 400 million in print. Ça fait partie des jeux les plus téléchargés. Hein. Donc on va essayer de comprendre un petit peu l'engouement autour de trucs. On a une carte. Ok. The drawer. Ah, c'est mal fait. Oh my goodness. Phew. Wow. Okay. Much better. Ok, listen. Je pense qu'il va écrire de... Oh non. Hide quickly under the desk. Je me suis caché en dessous. C'est bon. Ah, le tout petit nain. Stay where you are. Ah ouais, d'accord. C'est purement du screamer. Much better. C'est tout ce que je n'aime pas. Oh non. Cache-toi sur le bureau, ok. Et là, on va maintenir les petits yeux. Ah, the books, the goosebumps. Just one won't do. C'est purement du screamer à l'état pur. Always good for a scare. On rigole, on s'amuse. Comme il court avec ses petites jambes de merde. Relâchez la touche pour sortir de la cachette. Slappy, released? He must be stopped. You have got to stop him. First, I need you to find a book. It's called Night of the Living Dummy. I left it over by the Egyptian display. Ok, ouais. Regarde, ah, là, ok, j'avais pas vu. Ok, now all you have to do is... Something's wrong. The book is missing some pages. Maybe they're over there by the fireplace. Trouve une page près de la cheminée. Est-ce que ça pue pas grave la merde? Est-ce que ça pue pas un peu le screamer et tout ce que tu veux, Michel? La page. Je l'ai. You will need two more pages. Éteins la lumière. Inside this house. You need a key to get out of the study. Tout simplement, ma kiki. La clé est près du livre bleu à côté de la porte. Ça doit être là.
Waouh, c'est une complexité pour la voir. Now just gather up the rest of the pages. Ok, mais je déverrouille la porte, ça marche. I don't want to scare you, but if you see je veux or pas hear t'effrayer, strange... mais... Que je me tape une pub de merde. Ah c'est con, vous l'avez raté, j'espère que vous l'avez entendu. J'avais une publicité pour Phone Color Screen, Flash Screen Theme. Donc quand on t'appelle, t'as des lumières incroyables, je vais vous le montrer. Et c'était sur la musique d'Espacito. Donc on était quand même sur un... des bons bails. Je veux pas t'effrayer, mais si tu vois ou entends que je... Cache-toi. D'accord, je veux bien, mais... That's a graveyard ghoul. Slow, not too smart. Elle va me sauter à la gueule. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. Là, elle est derrière moi, elle va me niquer. Hein. Je me cache. Elle va quand même me défoncer ma gueule, je pense. Elle avance, mamie. Regardez, mamie, comment elle avance. Elle est chaude, mamie. Elle va me défoncer ma gueule. Pourquoi elle avance comme ça? Elle m'a vu, là. Elle fait du bruit, mamie, hein. Elle est constipée? Oula. Elle est beaucoup plus dynamique. Attends, je vais me montrer. Mamie! Mamie! Rien à foutre. On dirait pas qu'elle va cracher. Ouais. Hop, on va s'arrêter là parce que franchement, les copains, ça fait pas du tout partie de mon type de jeu. On va avancer. Bon, pour voir. Ça peut faire peur si ça vous intéresse, à la limite, n'hésitez pas, faites-le. Parce que avec des bons écouteurs, je pense qu'il y a moyen. Il y a vraiment moyen de se faire peur. Avec une bonne paire d'écouteurs. It's probably in the master bedroom. Waouh. Cette cachette est incroyable. Vous savez quoi, on va faire en sorte d'aller se faire attraper. Elle est derrière moi, mamie. Don't go downstairs yet. It's too dangerous. Hey, mamie! Mamie! Voilà, les yeux rouges, mamie. Ah ouais, c'est vraiment du screamer, quoi. Donc pour les gens qui ont les écouteurs, tu fais un putain de bon... Au secours, vous voulez regarder un petit film pour conserver vos pages? Ok, donc c'est une publicité, quoi, en gros. Mamie, elle ouvre sa gueule, hein, quand tu te fais attraper, hein. Donc bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je pense que c'est un jeu sympa. C'est pas du tout mon type de jeu. Perso, comme ça, je préfère jouer posé sur l'ordinateur... carrément, à bien flipper avec le casque. Mais ça, c'est un bon jeu à faire si vous avez des potes ou quoi. Vous voulez te faire une petite soirée flip sur votre smartphone. Je pense que vous mettez des écouteurs, il y a moyen de flipper. Mais je trouve que la maniabilité après du jeu est pas ouf ouf perso. Moi, je la trouve pas incroyable la maniabilité, mais c'était cool quand même. Du coup, les copains, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à me dire, s'il te plaît, si tu aimerais oui ou non une vidéo sur Jurassic World. Parce que ça a l'air d'être un jeu vachement cool. Vous faites gros bisous, je vous dis à demain. Ciao.